May, and welcome to Lyon for the Beaucoup Store. Ici, Lyon, c'est une terre d'accueil au niveau de la cuisine. C'est un rendez-vous incontournable pour les cuisiniers. Tous les deux ans, on va être présent au Bocuse d'Or. C'est pratiquement 60 pays qui se présentent au départ et 24 qui sont là à l'arrivée. Donc vous avez tous les finalistes là aujourd'hui. Beaucoup de changements au niveau du règlement. Le plus gros changement, c'est quand même qu'on aura un plat et bien sûr l'assiette, le marché et un deuxième jury qui va jurifier pour tout ce qui est de l'organisation en cuisine et le non-gaspillage. C'est très perturbant un marché comme ça parce qu'il y a tellement de beaux produits qu'ils auraient tendance à prendre plein de choses. Et le but demain, ils seront quand même jurifiés là-dessus, c'est la bonne utilisation de ces deux garnitures. Pas de déchets le moins possible. Les candidats ont une heure pour écrire leur propre recette par rapport aux produits qu'ils viennent de prendre sur le marché. On est vraiment impressionné encore une fois par la qualité du travail que l'on peut voir aujourd'hui. On ne sait pas où ça va s'arrêter, mais quand on regarde ce qui se fait, c'est vraiment très 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 impressionnant. Bah, l'ambiance, vous voyez, on ne s'entend pas. Les gens viennent des quatre coins du monde pour supporter leur candidat et on se croirait au Super Bowl américain. Ah, it's going good. 18 minutes till we put up the meat platter. 9 months of hard work and dedication. I love it. Never gets old. Moi, ce qui me touche beaucoup, en fait, c'est que on a vu les pays exprimer vraiment leur typicité, raconter un peu des histoires dans tous ces plats et dans toutes ces assiettes. Je crois que le concours y gagne beaucoup, parce qu'avant tout, ce concours, quand il a démarré il y a 30 ans, bah, c'était ça. C'était un pari de chef, de dire comment on peut faire venir à Lyon des chefs du monde entier, se confronter, puis en même temps, dans une certaine amitié de la cuisine. Je crois que le pari est réussi chaque année, et encore plus encore cette année. Je vois par exemple le dernier plat japonais, dans le poisson, on était complètement dans... Je ne dis pas l'influence qu'on veut donner, mais venez chez nous, exprimez votre savoir-faire. Et là, le Japon l'interprète formidablement bien. I was impressed by Japan. Interesting new ideas in the way of the plates and the tray also with the book. I like that. Il fallait amener des produits et des parfums plus que des goûts puissants, quelque chose de parfumé, de frais. Voilà, et au Japon, il y a ce qu'il faut pour faire ça. Le Bocuse bronze goes to Japan. Le Bocuse d'argent 2013 est attribué à Vietnam. Le Bocuse d'or est attribué à la France. Ouais, effectivement, je pense que je ne réalise pas encore, comme je vous avais dit, c'était un rêve. Mais après, de là à prétendre pouvoir y arriver un jour, il y a beaucoup de chemin. Bon, bah, les choses ont fait qu'aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé, donc c'est vraiment extraordinaire, c'est magique. C'est vraiment un travail d'équipe avec les équipes de Le Nôtre et les académies françaises Bocuse d'Or qui a abouti super bien. Quoi. Ça fait plaisir, ouais. On se dit qu'on n'est pas, on l'a pas volé, on est allé le chercher aussi ce titre, on a bossé comme des malades. Donc là, c'est vraiment extraordinaire. C'est l'aboutissement d'un an et demi de préparation. Ça a déjà tellement amené en amont en fait, de rencontres exceptionnelles que ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est génial. Je crois que c'était très difficile à savoir qu'est-ce qu'allait finir premier aujourd'hui. Moi, je suis très heureux, bien sûr, pour la France. C'est formidable. On revient enfin sur la première marche. Ça, c'est le plus important. Et la deuxième raison pour laquelle je suis content, c'est le Japon aussi qui est là. Et on a voulu vraiment mettre en valeur les pays. Le français qui met en valeur Versailles, la France. Le Danemark avec des produits très spécifiques danois. Et bien sûr le Japon avec une cuisine japonaise sur laquelle chaque année ils se sont fait un petit peu, comment dire, étamer. Et cette fois-ci, ils sont sur le podium. Je crois qu'ils le méritent. Bravo, je suis tous heureux ici.